Adnan est déjà en train de préparer son verger de noisetiers pour la prochaine récolte. Dans la région de Trabzon, sur les bords de la mer Noire, c'est toute la filière de la noisette qui a été touchée par les intempéries du printemps dernier. Cette année, à cause de la grêle, on n'a pas eu la production qu'on a habituellement. Cette année, on a récolté 80 kilos environ. Normalement, on aurait dû avoir 150 kilos, entre 150 et 200 kilos. Conséquence, la production de la noisette de Turquie, premier producteur mondial avec 80% des récoltes, a baissé d'un tiers et les prix se sont envolés. L'an dernier, si le kilo était à 3 dollars, cette année, il est au-dessus de 5 dollars, 5 dollars et demi. Une aubaine pour les agriculteurs, mais la météo n'est pas seule responsable de la hausse des prix. Depuis que l'État turc a libéralisé le marché il y a 4 ans, les cours du fruit sec n'ont cessé d'augmenter. Une tendance qui inquiète la chambre de commerce de Trabzon, car à trop vouloir faire baisser l'offre sur le marché mondial, par la création de stocks par exemple, la noisette turque pourrait perdre sa place de championne. Si vous mettez un prix trop élevé, vous ne vendrez pas. Il faut que les gens soient conscients. Ça fait 150 ans que les Européens viennent acheter nos noisettes pour le chocolat et l'industrie de la pâtisserie. Mais hormis l'Europe, malheureusement, nous n'avons pas d'autres débouchés. Les Européens ne vont pas y renoncer, mais s'ils se détournaient de la noisette turque, alors elle ne vaudrait plus rien. Pour l'instant, cette situation frappe de plein fouet l'industrie mondiale du chocolat. Dans cette usine de la banlieue de Trabzon, on traite 25 000 tonnes de noisettes par an. C'est la plus grande de Turquie. Ces noisettes entrent dans la composition de chocolat, barres chocolatées céréales et bien sûr, pâte à tartiner dégustée aux quatre coins du globe. Cette année, c'est sûr, ces noisettes seront vendues plus chères aux confiseurs et chocolatiers industriels. Pour diminuer le coût, là où ils mettent 10% de noisettes, s'ils n'en mettent que 2 ou 3%, est-ce qu'on retrouvera le même goût? Sans doute que non. C'est sur le prix de vente que cela va changer. Ils ne vont pas diminuer la qualité, alors à mon avis, ils vont devoir répercuter cette hausse sur le prix de vente. Pas de pénurie de Nutella à prévoir donc, mais une hausse de prix plus certainement. Ferrero, propriétaire italien de la célèbre gourmandise, déterminera en octobre le prix de sa pâte à tartiner.